quelques mois, Eugenio De Signoribus était notre invité. Et dans certains de ses poèmes qui ont été publiés dans la revue Poésie, De Signoribus sait, comme il dit, réélaborer des situations présentes, et en particulier, pour aller tout de suite à l'essentiel, il sait parler poétiquement de des situations de migrants, il a parlé de Lampedusa, nous avons publié la traduction de ses poèmes par Martin Reff. Il nous a envoyé aussi, il y a quelques jours, après les événements que vous savez, un message que Martin a traduit et que je vous lis. Pour moi, c'est vraiment le grand poète de cette élaboration, comme il dit, de l'événement, et souvent l'événement tragique. Je suis en train, dit-il, de suivre en direct les informations sur les attentats de Paris. Les mots me manquent. Je suis à nouveau blessé, mais cette fois, je ne parviendrai pas à réélaborer cette tragédie. Il est facile de comprendre maintenant que notre langue est une langue fraternelle, mais qu'elle est à l'intérieur de nous et qu'elle nous parle dans un cercle restreint. Je suis profondément malheureux face à tant d'impuissance. Je ne saurais dire combien je me sens proche de vous. Plus, je suis un homme. Nous recevons donc aujourd'hui Catherine Cocchio. Et elle a bien voulu venir nous parler de ces deux livres majeurs que nous pourrons évidemment qu'effleurer. Hein. C'est donc La littérature en suspens, que voici, il semble qu'on va revenir très vite, et Le mal de vérité. Ce sont des livres d'une richesse foisonnante et ils sont vraiment de nature à ne pas être lu seulement une fois, mais plusieurs, et chaque lecture elle-même demande vraiment tout un investissement intellectuel, affectif, nous allons l'entrevoir aujourd'hui. Ils recèlent chacun d'eux toute une bibliothèque, ils partagent aussi l'un et l'autre toute une bibliothèque. Ce qui me frappe, c'est que ces livres sont vraiment pris à la chair de la réalité. Vraiment au corps de l'histoire. Et j'ai envie de lire un très court poème du poète Tchouach Gennady Haïgui, mort il y a quelques années, qu'il avait consacré à Varlam Shalamov, le grand témoin de la Colima. Et c'était un poème d'adieu après la mort de Shalamov. Je lis le poème d'Haïgui. Une terre et un sol, il en a connu de plus rigoureux que là où nous l'enterrons à présent. Nous faisons nos adieux à Shalamov. Le corps de la littérature, la chair de la poésie, avec les degrés de l'enfer de la Colima, l'arracher au fer, avec des morceaux de fer, avec sa propre chair, tel est l'exploit qu'il a accompli. Une citation. L'histoire en suspens, ce livre-ci, bleu, l'histoire en suspens. Littérature. Pardon, qu'est-ce que j'ai ? La littérature en suspens, écriture de la Shoah, le témoignage et les œuvres, aux éditions de l'Arachnéen, paru en 2015, et Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, collection Le temps des idées chez Armand Collin, paru également en 2015. Eh bien, ce sont des livres vraiment qui, comme dans les images de Gennady Haïgui, sont arrachés au fer, pourrait-on dire, avec des morceaux de fer, à la chair de l'histoire. Deux remarques où nous serons déjà en compagnie de Catherine Cocchio. Deux remarques sur le présent encore, mais déjà avec Catherine Cocchio. Ce n'est pas à moi de parler des événements que De Signoribus évoquait dans le message que je vous ai lu. Il serait bon de ne pas oublier, avec De Signoribus aussi, ceux qui, aujourd'hui, sont en situation, dans notre pays, véritablement désespérante. Et Catherine Cocchio, on trouverait dans Le mal de vérité des passages qui pourraient nous concerner, on n'a pas le temps de les lire, on va manquer de temps évidemment, mais des passages qui pourraient nous concerner face à cette situation si inextricable, où sont aujourd'hui les migrants, les réfugiés, les sans-papiers, les clandestins, les déboutés du droit d'asile, etc. Tous ces mots
tous ces mots qui pèsent lourd, évidemment. Et ce vocabulaire, ces énoncés politiques, juridiques, policiers, ont des conséquences terribles, comme vous savez, pour les individus qui, sous le coup desquels ils tombent. On oserait dire que la poésie a, avec le poids des mots, avec leurs effets, elle a quelques rapports, c'est le moment de le rappeler. Dessineur et Gousse en a le sens le plus aigu, nous devrions ne pas l'oublier. Je cite Edgar Poe, traduit par Baudelaire. Donc, citation. La fameuse irritabilité poétique, ça c'est Horace, la fameuse irritabilité poétique n'a pas de rapport avec le tempérament, compris dans le sens vulgaire, mais avec une clairvoyance plus qu'ordinaire relative au faux et à l'injuste. Cette citation de Poe, traduite par Baudelaire, je l'ai trouvée dans le Mal de vérité de Catherine Bocchio. Elle l'a elle-même prise chez Bonnefoy, qui parlait de la folle persécution dont Paul Celan fut la victime de la part de Claire Gol. Et Catherine Bocchio remarque à ce moment-là, en citant ce passage de Poe sur la justice, au fond, sur le sens de la justice et de la vérité, ou sur le sens de l'injustice et du faux que disait Poe chez le poète, quelqu'un remarque ce qui avait alarmé Paul Celan au point qu'il ne put jamais se délivrer du poids de la calomnie de Claire Gol contre lui, l'accusant d'avoir plagié son mari. Et au point qu'elle pouvait, cette calomnie, le faire éclater en sanglots dans un cercle d'amis, c'est l'idée de vivre dans un monde où l'on ne soupçonne même pas ce que c'est que la poésie. Et je crois que les citations que je viens de faire nous rappellent que la poésie, oui, y compris dans l'usage des mots, et surtout dans la façon de peser les mots, eh bien, a le sens d'une justesse. C'est aussi notre rapport aux événements d'aujourd'hui et aux situations désespérantes véritablement d'aujourd'hui. J'annonce encore que le prochain numéro de poésie sera consacré à des poètes d'Afrique. C'est aussi pour nous une façon d'être présent dans l'histoire actuelle. Et je rappelle donc, c'est l'occasion, que Catherine Bocchio, nous y reviendrons, a publié un livre sur le Rwanda et a écrit aussi sur le retour ou les retours du colonial, point d'interrogation. Les deux livres de Catherine Bocchio, donc, viennent après tout un parcours et une bibliographie considérable que j'ai là sous les yeux, mais que je ne vais pas énumérer. On a décidé ainsi. Donc, ce qui est important, peut-être, c'est de mentionner que dans les premiers travaux de Catherine Bocchio, il y avait un intérêt pour certains auteurs comme Mécislas Goldberg ou comme André Rouvert, qui relevait d'une inspiration d'anarchisme littéraire. Sans doute, c'est le premier rapport, enfin, écrit, manifeste, de Catherine à la poésie. Et nous reviendrons à ce rapport à la poésie. Elle a travaillé aussi sur Baudelaire, et sur la notion de décadence. Et puis, elle a fondé, ça c'est pas de la bibliographie, mais c'est de l'action, et Catherine est aussi toujours dans l'action, elle a fondé dans les années 90 l'Association internationale de recherche sur les crimes contre l'humanité et les génocides, ERCRIECH. Et c'est un énorme travail qui a été mené là, j'en sais quelque chose, j'y ai un tout petit peu participé. Et puis, il y a eu ce travail d'enquête mené avec Aurélia Kaliski pour la considérable anthologie que j'ai ici, L'enfant et le génocide, 2007, dans la collection Bouquins. C'est un livre vraiment extraordinaire. En 2004, Catherine avait publié chez Belin un livre sur le Rwanda, le réel et les récits, après un voyage au Rwanda qu'elle avait fait en 2000. Ça aussi, c'est très important pour nous aujourd'hui, la question reste. Elle a dirigé ce collectif. Catherine est quelqu'un qui a organisé beaucoup de colloques considérables, qui a organisé des livres collectifs non moins considérables. Donc, elle a dirigé, organisé le collectif Retour du colonial,
Disculpation et réhabilitation de l'histoire coloniale en 2008 à l'Atalante. Elle a publié, publié un colloque sur Rome, Tzigane, Nomade, un malentendu européen chez Cartala en 2013. Autre question qui est proche de celle que j'évoquais tout à l'heure, les situations désespérantes aujourd'hui. Elle a organisé un ensemble sur littérature et histoire en débat, ainsi qu'un autre sur Imre Kertész, éthique du récit et forme d'existence. Et aujourd'hui, elle organise et dirige un séminaire à Paris 7, où elle est prof, écrire et penser avec l'histoire à l'échelle du monde, point d'interrogation. Voilà. Ajoutons encore le travail éditorial dans la collection Littérature, Histoire, Politique chez Garnier, où apparu récemment Juifs ordinaires, suivi de l'anéantissement de la Varsovie juive, un recueil de textes de Yehoshua Perle, écrivain yiddish du boom des années 30-40. Voilà, j'ai tout dit. Trop dit. Voilà, donc maintenant, vous m'avez entendu, on voudrait entendre Catherine, vous voulez entendre Catherine, et la première question, évidente, massive, c'est ces deux livres parus la même année, l'un cette année même, l'un aux éditions de l'Arachnéen, l'autre chez Garnier, Gérard Moncolin. Quel rapport entre les deux? Alors d'abord, merci beaucoup à Claude. Je ne peux pas le remercier assez parce qu'il a une générosité dans l'écoute, dans l'attention, une précision dans l'intention qui est tout à fait exceptionnelle. Donc merci aussi pour cette rencontre-ci. Et toutes tes lectures. Pourquoi ces deux livres ont paru en fait exactement au même moment? Il y a pour une part un hasard. L'un était en retard et donc l'autre, il a été rattrapé par l'autre. Mais au fond, j'ai trouvé cette contemporanéité assez parlante. La littérature en suspens, donc, c'est un gros livre d'études de textes hein, pour l'essentiel. Le texte, donc, l'écriture, le sous-titre, c'est l'écriture de la Shoah, le témoignage et les œuvres. Et ce sont des travaux qui relèvent de la philologie, de l'herméneutique des textes, que j'avais engagé depuis la fin des années 90, que j'ai repris, que j'ai renouvelé et prolongé d'autres textes, évidemment, ces dernières années. Et auquel j'ai ajouté toute une réflexion de type théoricienne, qui est en fait aussi une critique de la théorie, c'est toute la première partie, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour essayer de comprendre tous les types de modèles d'intelligibilité, tous les paradigmes, tous les modèles théoriques, tous les types de canons, de corpus différents, hein, s'étaient constitués et avaient parfois fait écran à la lecture des témoignages des catastrophes historiques et précisément de la Shoah en tant qu'œuvre créatrice, en tant qu'œuvre artistique, littéraire. Voilà, donc ça c'est un travail aussi qui était un travail d'étude des textes, de lecture souvent rapprochée des textes, en même temps que cette tentative de surplomb théoricien, où j'essaye aussi de mener quelque chose comme une espèce de méditation sur le devenir d'une civilisation et sur les effets de ce que j'appelle une rupture anthropologique, hein, celle du génocide, celle de la déshumanisation, celle de la désappartenance, et en essayant de voir comment, au fond, les témoins, les survivants, ont réagi hein, à cette rupture-là qu'ils éprouvaient dans leur vie, dans leur existence, dans quelle force hein, ils ont puisé pour trouver de quoi écrire, de quoi parler à autrui, même quand ils se savaient condamnés. Donc c'est une réflexion aussi sur au fond les forces, hein, pour dire l'essentiel directement, ce sont les forces du langage, ce sont les forces des formes, et ce sont au fond des vecteurs d'espérance très particuliers. Hein, donc c'est un petit peu ça qui m'a mobilisé tout au long de ce travail, où j'évoquais aussi la manière dont les auteurs s'attaquaient en fait à ce qui évidemment était devenu catastrophique dans le cours de l'histoire, c'est-à-dire un certain usage du mythe, des forces mythiques, de la terreur, et j'essayais de comprendre, tout en essayant de séculariser cette littérature au maximum,
dans quelle mesure les auteurs pouvaient se ressaisir de ces éléments mythiques sous la forme d'un jeu, le jeu artistique. Donc le livre, au fond, porte sur la relation compliquée, souvent tourmentée, mais réelle, entre cette dimension du jeu dans la littérature et l'implication profonde, totale, à bien des égards, que suppose l'acte de témoigner. Voilà. Ça, c'est la littérature qui se prend. Donc j'ai mené ce travail qui a été un peu au long cours, qui s'est mêlé pour une part, qui existait déjà au moment où j'ai fait avec Aurélia Kaliski ce livre sur l'enfant et le génocide, qui m'a fait découvrir énormément de textes. Et lorsque est venu le moment de parution en fait, de ce livre, au fond, on en était arrivé à un état de la conscience de ces littératures-là, mais aussi de ces problématiques-là de la mémoire, pour parler vite, tout à fait différent de celui qui existait dans les années 90 quand j'ai engagé ce travail. Sans doute moins polémique pour certains de ces aspects, mais plus compliqué justement pour moi par une sorte de normalisation et aussi d'académisation, mais aussi de politisation dans le sens d'une certaine injonction politique. Il y avait une espèce d'incorporation de ces questions de la mémoire au langage politique, mais aussi à l'institution académique, qui m'ont fait éprouver le besoin de clarifier les choses, ce qui supposait aussi de m'affronter à des monstres, des questions très compliquées, comme qu'est-ce que c'est que la sacralisation de la mémoire, qu'est-ce que c'est que la transformation de la mémoire en culture, qu'est-ce que c'est que ce processus de régulation culturelle qui s'empare de ces histoires-là, alors que dans ces histoires, il est question, comme on dit toujours, de la barbarie. Qu'est-ce que ça signifie aussi que la sacralisation du témoignage, de ce langage, de la mémoire qui prend une forme, à mon avis, aujourd'hui, de plus en plus moralisante, mais aussi christianisante, religieuse. Donc j'ai essayé de m'attaquer à ces questions-là. Au fond, qu'est-ce qu'il y a peut-être de manière inévitable, mais aussi de manière évitable, d'un rapport au sacré, d'un rapport au religieux, dans notre rapport à la mémoire, et dans le rapport, pour commencer, des survivants à la mémoire, et dans leur rapport à la vérité. Et voilà, donc c'est à la fois ce que j'appelle une herméneutique de la mémoire, et une tentative d'anthropologie historique de la vérité. C'est-à-dire, j'essaie d'y voir clair dans ces espèces de grosses notions, mémoire, témoignage, aussi catharsis, que j'analyse sous le signe de la mythologie collective, mais aussi de l'utopie. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre ce qui se joue de certaines formes d'espérance. Là, je cite Ernst Bloch en épigraphe, peut-être on pourra y revenir, de certaines formes d'espérance dans ce retour-là, mais qui se joue au passé, si vous voulez, dans la relation mémorielle, testimoniale, cathartique au passé. Il y a des formes d'espérance qui existent, mais qui se déclinent, qui se conjuguent plutôt au passé. Voilà, donc c'est ce que j'appelle l'herméneutique de la mémoire. Donc ça fonctionne à partir de très vieux concepts, la mémoire, témoignage, vérité, catharsis, et qui sont investis de missions nouvelles, et qui transforment donc ces concepts en quelque chose de très confus, très embrouillé, au fond des énigmes. C'est pour ça que je parle d'herméneutique. Alors ça s'articule à une anthropologie historique de la vérité, comme j'essaie de le résumer, parce que au fond je réfléchis, j'essaie de voir ce qu'il y a dans cette obsession de la mémoire aussi, de ce qui se joue dans un rapport à la vérité, un rapport nouveau à la vérité. Au fond, c'est d'une destruction de la vérité, d'une angoisse de la destruction de la vérité, et avec elle de tout sens possible, qu'il s'agit aussi dans cette angoisse, dans cette obsession mémorielle. Et là, je reviens à ce qui se joue, bien sûr, en amont de cette hantise, c'est-à-dire ce qui s'est passé véritablement au cours de ces catastrophes historiques, politiques, où on a détruit volontairement tout horizon de signification et toute vérité possible, et où c'est le réel lui-même qui, en quelque sorte, s'est effondré, l'autorité du réel qui s'est effondrée. C'est ce que Lyotard, dans Les Différents, appelle la méta-réalité, la destruction de la réalité qui devient méta-réalité. Cette méta-réalité, elle a à voir justement avec l'entreprise propre survivant de raconter cette histoire,
d'en témoigner et de passer par la création pour en témoigner. Donc j'essaie de revenir sur ces questions de la vérité, qu'à mon avis, en philosophie, la vérité en tant qu'elle est altérée profondément au cours de ces événements-là, elle n'est pas prise en compte, à mon avis, véritablement dans la philosophie. Et donc j'essaye de construire une espèce d'alternative, d'esquisser, d'indiquer une espèce d'alternative de réflexion philosophique qui passerait par une autre lecture de certains témoignages littéraires. Justement, je reviens à Cartès, Julius Margolin aussi, Chalamov précisément, beaucoup d'autres auteurs, David Rousset aussi, en essayant de comprendre comment eux, à travers l'expérience qu'ils ont fait d'un mensonge, comme dit Arendt, général et définitif, ou d'un bain de mensonges, comme dit Cartès, dans les régimes totalitaires, comment eux, ils pensent la vérité, le mensonge, la destruction de la réalité, etc. Donc essayer de faire entendre, sur un mode philosophique, ce que disent les témoignages de ces notions-là, et ça me fait revenir sur un mode assez critique, à ce qu'on fait Derrida, par exemple, ou ce qu'on fait aussi dans le domaine du témoignage, de la sublimation du témoignage, d'une forme de resacralisation, Derrida aussi, et Shoshana Feldman, etc. Donc il y a tout un retour comme ça sur des grands textes théoriques et philosophiques pour essayer de repenser différemment les choses. Voilà un peu la relation, et donc ce qui lie les deux livres, il y a plusieurs choses au fond. C'est une tentative au fond de séculariser notre rapport à la fois à la littérature et au témoignage, à nos usages du témoignage, à l'encontre de cette espèce de religion du témoignage qui prévaut aujourd'hui, mais en essayant de comprendre de près, dans les textes, et aussi dans les théories, y compris prescriptives, les transferts de sacralité. Voilà, comment la littérature a pu se servir, ou la théorie littéraire a pu se servir du témoignage pour se re-sacraliser elle-même, ou inversement. Voilà, c'est donc la question de la sécularisation, elle traverse les deux livres, et j'essaie de comprendre à la fois de mettre en place une lecture sécularisante, je dirais, des œuvres, mais en revenant à ce qui, dans le témoignage, relève bien de quelque chose d'en partie sacramentel, dans l'engagement propre à l'acte de témoigner. Voilà. Merci, oui, c'est très passionnant toutes ces considérations, et en particulier le terme que tu viens d'employer de sécularisation, qui fait penser aussi au travail de pensée de Michel Degui sur ce qu'il appelle la profanation pour la littérature, pas pour cette littérature-là, pas pour la littérature de témoignage, mais il y a en effet toute une histoire antérieure, en amont, du rapport de la littérature au religieux, bien entendu, et tout un processus de profanation, dirait Degui, de sécularisation, etc. Et ça définit vraiment profondément ce que sont les littératures, et d'ailleurs différentiellement selon les pays. Donc, c'est très différent selon l'Angleterre, l'Allemagne ou la France, par exemple, ces processus-là. J'ai pensé aussi à ce fond-là, historique, par rapport à ce que tu expliques, cette sécularisation, qui est vraiment quelque chose de capital et qui nous engage aujourd'hui, en effet, dans notre rapport au témoignage, et la manière dont nous le recevons, dont nous en tirons des conséquences, etc. Donc là, vraiment, oui, on est au cœur des deux ouvrages. Mais, puisqu'on a beaucoup de temps, c'est notre angoisse, je vais te poser tout de suite la question du titre du livre paru à l'Araméen, La littérature en suspens. Non ? Je te pose la question, carrément. La littérature en suspens, c'est en fait évidemment une formule empruntée à Imre Kertész, dans son discours de réception du Nobel en 2002. Où il dit il faut savoir qu'en un certain sens, Auschwitz a mis la littérature en suspens. Et Auschwitz, c'est un toponyme évidemment pour dire plus qu'Auschwitz, plus que le camp d'Auschwitz, c'est l'événement lui-même. Kertész s'explique sans s'expliquer sur cette formule-là. Donc j'essaye moi de revenir sur certains sens, ou c'est certains sens qu'il faut comprendre, qu'il faut savoir, dit-il, parce que sinon on crée. Et en fait, une littérature qui revient en gros au kitsch, il ne prononce pas ce mot dans ce texte-là, mais il le fait dans d'autres. Donc j'essaie de mettre au fait à l'essai différentes significations de ce mot suspens, et de revenir là encore à ce qu'en disent, ce qu'en font les textes. J'essaie de distinguer ce suspens très particulier qui est dû
à mon avis, non pas au fait de témoigner, non pas seulement à l'acte de témoigner en tout cas, mais à l'acte de témoigner de cette rupture anthropologique, de cette désappartenance, qui fait aussi en partie désappartenir à la littérature ou poser la question, justement, suspendre la littérature dans son système de valeurs, dans éventuellement même certaines de ses fonctions. Donc c'est une autre division interne, si vous voulez, de la littérature que celle qui ont en fait déjà eu lieu, qui se sont déjà pensées dans l'histoire de la modernité. Bien sûr, il y a eu d'autres suspens, hein, l'assaut contre les frontières chez Kafka, l'expérience limite, bien sûr, chez Bataille ou chez Foucault, qui fait que la littérature devient la grande étrangère. J'évoque aussi l'époque phénoménologique, mais au fond, pour évoquer ces modèles-là, essayer de comprendre quelle est la singularité de cette mise en suspens, qui est un peu sibylline chez Cartès lui-même. Il parle de la mise en suspens, au fond, du système de valeurs, de l'esprit de la littérature. Cet esprit de la littérature, il me semble que c'est, au fond, tout un héritage qui n'est pas celui des œuvres, mais qui est celui d'un esprit peut-être d'idéalisation, hein, qui relève à la fois peut-être de l'humanisme, là il y a une claire critique de l'humanisme très sévère, hein, dans toutes les œuvres de Cartès, mais aussi d'une autre forme d'idéalisme qui est peut-être plus esthétisant, hein, et qui vient, lui, du nihilisme, c'est-à-dire que c'est aussi un certain nihilisme, et là je vais du côté d'une critique de Heidegger, hein, là, c'est-à-dire l'ontologie, hein, qui fait au fond de découvrir, qui idéalise la poésie comme le discours où l'homme se révèle être pour la mort, alors que dans ce suspens-là, qui témoigne de la désappartenance, il est plutôt justement question de retrouver la fonction biologique, tout simplement, hein, de la littérature, dans ces capacités à faire croire, sinon espérer. Voilà, il y a une fonction vitale, au fond, qui s'expérimente de manière très simple dans certains de ces textes, mais qui, évidemment, suppose une philosophie ad hoc. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à reformuler en termes philosophiques cette question-là. Cartès le fait de manière toujours un peu biaisée, ironique, elliptique. Et moi, ce que j'essaye un peu, c'est de construire autour, hein, quelque chose qui tente de comprendre ce suspens, qui est aussi une méthode, au fond, de mise en crise, de mise en regard critique, qui donc appelle en elle-même un travail critique, il me semble. Si tu veux, j'ai envie de lire le petit poème d'Erasmour. Tu lis, ouais. Ouais. Oui, il est question justement de la mise en suspens d'une certaine assurance quant aux valeurs justement de l'art et de la littérature. Oui, c'est un poème d'une très précise incertitude. Donc, je lis d'abord ce que Catherine en dit pour l'introduire. En 1945, écrit-elle, l'écrivain russe Ilya Ehrenbourg, tout en rassemblant des témoignages pour le livre noir, c'est le livre de témoignage sur la Shoah en Union soviétique, la Shoah par balle, comme on a dit. Donc, Ilya Ehrenbourg écrivit une série de poèmes sur les exécutions des ravins. C'est toute une histoire. Vous en avez certainement entendu parler. Le dernier de ces poèmes se conclut à la manière d'une prière pour les disparus. Je prie, non pas pour moi, mais pour ceux qui ont connu le sang, et qui, plus longtemps que d'autres, n'ont entendu ni amour, ni violon, ceux qui n'ont vu ni rose, ni miroir, qui n'ont pas fait grincer le sol de l'entrée, ceux qui n'ont pas même été appelés par le rêve. Je prie pour qu'ils aient lumière et pépiment, que tout leur soit sonore et coloré, pour qu'en mourant, le jour, tel un signe, leur déverse l'argent de sa gorge. Je prie jusqu'aux larmes à perdre la raison, après être arrivé, entré et avoir traversé. Je demande un peu d'art incertain derrière la tenture légère de la pluie. C'est une traduction d'Annie Appelboin et Assia Kobregina, hein, dans leur livre La littérature des ravins. Ce qui me frappe, en dehors de cette histoire d'art incertain, qui est l'objet de la prière, c'est justement le fait de la prière chez un poète comme Ehrenbourg, qui n'était vraiment pas
n'était vraiment pas un poète croyant, religieux, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que c'était jusque-là d'ailleurs un chantre du régime soviétique. Hein. Donc c'est aussi un des points qui m'a retenu, parce que d'abord troublé, c'est donc pas seulement cette dimension du mythe hein, qu'on retrouve, mais cette dimension du sacré, et même cette reconstitution d'une ritualité sans Dieu, d'une métaphysique sans Dieu. C'est comme s'il fallait donc que le témoin, pour faire exister, pour faire entendre quelque chose de cet événement-là, creuse dans l'espace, dans le temps, quelque chose qui relève du métaphysique et qui se dit dans la parole sur un mode rituel. Donc c'est aussi beaucoup ces aspects-là justement de ritualité, de sacramentalité apparente au moins, que j'essaie de comprendre et qui sont évidemment toujours liés à la dimension funéraire du texte. C'est-à-dire que là, le témoignage rentre dans cette sphère du sacré, pas seulement en disant « je le jure » de dire toute la vérité, etc., sur le mode judiciaire, mais en se reliant à ce que j'appelle volontiers le peuple des morts. Et c'est bien de ce peuple des morts hein, et des enfants disparus hein, chez Ehrenburg depuis le temps, qu'il est question hein, dans cette parole de prière tout à fait nouvelle, en fait, inédite dans l'histoire de la littérature, à mon avis. Et tout ça dans une très très grande simplicité, qui est aussi ce que j'aime dans cette poésie. C'est le poème d'Ehrenburg, consonne, j'y songe à l'instant, étrangement avec des poèmes que vous avez publiés dans L'Enfant et le Génocide. Des poèmes d'enfants publiés dans L'Enfant et le Génocide. Peut-être on y reviendra si on a le temps en fin de Je voudrais juste dire à propos du suspens, peut-être parler de Rohrmann. Comme je vous dis, j'évoque surtout, j'essaie de toujours penser les notions à partir à travers les œuvres. Hein, donc je m'immerge beaucoup dans les œuvres pour en tirer les concepts, si possible, hein, qui sont souvent des figures, qui sont souvent des métaphores. Et donc, une des œuvres dans lesquelles. Que peut-être je peux évoquer, il y en a d'autres, hein. Il y a Goldschmidt à qui j'emprunte aussi une formule d'Anilokis, entre autres. Il y a un texte que j'évoque dans un chapitre qui est consacré à la urban literature, hein, donc la littérature de l'Est, en gros, hein, souvent écrite en yiddish, mais pas seulement. Je reviens un moment assez longuement sur ce livre hein, de Leib Rohrmann qui s'appelle en français « À pas aveugle », ça a été traduit par Rachel Hertel il y a quelques temps, trois ans, à pas aveugle à travers le monde, où on a non pas un témoignage des faits justement, mais écrit par un survivant hein, qui a vécu des choses absolument terribles hein, en Pologne, qui est revenu après la guerre visiter Majdanek, qui a été blessé au pogrom de Kielce, qui est ensuite parti s'installer, d'abord se faire soigner en Suisse, puis revenir. En France, je crois, pendant un moment, et puis s'installer finalement en Israël, et publier ce texte hein, dans les années, après un premier témoignage plus factuel, publier ce texte absolument extraordinaire, qui est un roman-poème, hein, un long roman-poème, hein, dans les années fin 60 ou début 70, je ne sais plus exactement, qui est au fond, qui raconte un peu l'errance sans raconter, l'errance presque spectrale d'un survivant. Sur une terre qui est littéralement empoisonnée par le crime, mais où surgissent à tout moment des fantômes, des voix. Les fantômes sont des voix. Et là, le témoin n'est plus celui qui regarde, mais qui entend justement des voix, qui écoute continuellement des voix. Donc on entend en particulier les voix des enfants hein, qui rient. Il y a toute une vie perdue, une vie juive perdue, mais que le poète retrouve dans un autre temps qui devient celui de l'écriture hein, et qui fait entendre aussi précisément la voix des morts qui sont là, qui existent parfaitement, qui sont en un sens parfaitement vivants et même plus vivants que les vivants. Et au cours de ce roman, il y a une scène absolument extraordinaire qui est très longue, qui fait presque 50 pages et qui raconte en fait un jugement, un procès des livres par les livres. Hein, c'est un tribunal des livres qui se situe dans une bibliothèque tout à fait, évidemment, imaginaire, je n'ai pas le temps d'y revenir. Et ce tribunal des livres, il est présidé, d'une part, par les livres des Lumières, et d'autre part, par ce que Rohrmann appelle les écrits
yiddish sur l'extermination. Donc en fait, le procès des livres s'effectue au regard des témoignages yiddish de l'extermination, en même temps qu'au regard des textes des Lumières, et non pas, dit-il, de la Kabbale qui a promis le salut en même temps que la catastrophe. Nous avons eu la catastrophe et le supplice, et pas cette rédemption. Donc les livres de la Kabbale sont soumis au procès. Alors, c'est une scène tout à fait incroyable de récapitulation et de comparution de tous les livres, juifs d'une manière ou d'une autre, mais qui se confrontent justement aux livres non-juifs, et c'est tout le monde juif qui se confronte aussi au monde des gentils, et il en est quelque chose de tout à fait extraordinaire, hein, c'est-à-dire que les juifs, là, les livres juifs découvrent au cours de ce procès qu'ils sont tous mortels. Donc tout est mélangé, littérature de gare, livres yiddish, de prière pour les femmes, livres saints, livres savants, livres populaires, tout est mélangé. Il y a aussi Kafka, Hermann Broch, etc., toute la modernité, les avant-gardes. Et il naît, donc il y a une espèce de scène de déluge et d'ivresse à la fois, parce que le bibliothécaire qui se croit être le dernier juif s'enivre, hein, tout bouge, et puis la fin est tout à fait incroyable, hein, et elle indique quelque chose comme une voie nouvelle, une voie poétique nouvelle, qui se dit comme il y a une espèce, dans cette découverte par les livres, qui dialoguent les uns avec les autres, c'est très très humoristique aussi, hein, c'est même assez irrésistible, il y a la découverte donc de l'égalité et de la mortalité de tous ces livres, et de cette découverte d'une égale mortalité, y compris donc les textes saints, hein, naît une mélodie nouvelle, une espèce de mélodie ou une espèce de chanson. Et c'est cette espèce de chanson qui est tellement, tellement étrange, qui pour moi est vraiment très profondément poétique. Et c'est cette espèce de chanson, cette espèce de mélodie qui fait vaguement espérer, promettre quelque chose, hein, et où on retrouve quelque chose du messianisme qui avait été bien sûr... Bah, faisait partie de la formation intellectuelle de Rohrmann. Et on retrouve d'ailleurs ce qui, chez Appelfeld, se décrit comme une berceuse, littéralement. Hein. Il parle de la prose de Rohrmann comme d'une prose qui berce le cœur. Voilà, pour moi, il y a quelque chose, chez Ehrenburg aussi, hein, on fait état de la plus grande violence, mais le langage travaille à ressembler presque à une caresse. Presque à une berceuse. C'est cette douceur-là, c'est cette espèce de fabrication d'une tendresse absolument improbable que je trouve remarquable dans les textes que je trouve les plus saisissants, hein, les plus, ceux que je mémorise le plus. Voilà. Merci. Vous voyez que, vous le savez déjà, mais. Pour lire Catherine, ces deux livres, il faut avoir avec soi toute une bibliothèque et chaque livre. Donc c'est vraiment aussi un voyage dans des bibliothèques que la lecture des ouvrages de Catherine. Mais quelle bibliothèque ? Et quelle lecture ? Je reviens de façon un peu plus prosaïque, après ce mot magnifique là. À la constitution du livre, la littérature en suspens, qui est en effet en deux parties. La première partie, tu l'as déjà dit, au fond, théorie et paradigme, et la deuxième partie est consacrée à des œuvres. Je ne sais pas si je vais énumérer les suites, je vais énumérer au fond les auteurs qui sont traités dans la deuxième partie. Traiter, c'est pas le mot, enfin, avec qui Catherine dialogue dans la deuxième partie. C'est Rousset, Charles Delbault, Jean Cayrol, Étienne Soum, Piotr Ravitch, Améry, Kertész, Goldschmidt, qu'elle a mentionné, et Danilo Kish, que tu mentionnais aussi. Des auteurs tous absolument passionnants, en effet, qui ne sont pas forcément parmi les plus lus, en fait. Et donc, il y a là aussi donc, une bibliothèque très singulière de la deuxième partie de la littérature en suspens. La première partie est intitulée « Théories et paradigmes », et on n'a vraiment pas le temps d'en parler, j'espère qu'on y reviendra dans d'autres circonstances, de parler de la... C'est rendu très sensible parce que Catherine vient de dire, parler de sa manière de non seulement de lire les œuvres, mais de se confronter
aux lectures existantes, aux usages qui sont faits, des œuvres qu'elle aborde, aux usages qui sont faits et qui ont tous, évidemment, des enjeux, vu les livres dont il est question, qui ont tous des enjeux historiques, politiques, voire religieux, anthropologiques, pourrait-on dire, c'est le mot que tu emploies. Et vraiment, il y a une singularité, une force extrême dans cette manière de traiter ce que dans le vocabulaire universitaire on appellerait la littérature secondaire, celle qui parle des œuvres. Avant d'aborder les œuvres elles-mêmes, on traite de la littérature secondaire dans une thèse. C'est pas du tout ça que fait Catherine, vraiment. C'est pas du tout de la littérature secondaire. C'est un travail d'affrontement, de confrontation, de passionné et passionnant. Je me disais, mais c'est un autre sens que l'emploi que tu as fait de ce mot, je me disais, il y a quelque chose comme une anthropologie aussi, là, de la lecture, c'est-à-dire les auteurs qui sont lus, les auteurs théoriques, je ne parle pas des auteurs de la deuxième partie, je ne parle pas des écrivains de la Shoah qui ont été mentionnés, je parle des auteurs qui traitent de ça, hein, des critiques, des théoriciens, Catherine les aborde dans la littérature en suspens, non seulement dans leurs pensées, mais dans leurs attitudes. On a des gestes de pensée, on a des positions de pensée. Donc on a vraiment, quand je parle d'anthropologie philosophique, c'est un peu au sens de Grotwijn, de façon, c'est quelqu'un que personne ne connaît aujourd'hui, je crois, au fond, au sens d'Anna Arendt, dans son livre qui est introduit sous le titre « Vie politique ». C'est-à-dire vraiment des attitudes. Qui engage l'existence, qui arrache une position dans l'espace social, dans l'espace commun. C'est très très passionnant. C'est une façon de lire pour cette littérature-là, littérature, les œuvres elles-mêmes, littérature secondaire, entre guillemets, les critiques, les théoriciens, les penseurs de cette littérature, c'est vraiment d'une originalité extrême. En fait, c'est pas si original, c'est-à-dire que j'ai des parrains, j'ai des papas, c'est-à-dire que, en gros, Benjamin a beaucoup, beaucoup formé ma manière de lire. La lecture de Jean Bollack a beaucoup compté aussi, que je cite à la fin, c'est aussi une espèce d'hommage à Bollack. Au fond, Bollack, par exemple, il a dit assez précisément des choses qui sont simples, mais qui sont, au fond, pas toujours actives, pas toujours opérantes dans les travaux critiques. N'importe quel texte en fait est fait d'une, y compris poétique, donc de plusieurs temps à la fois. Il y a le temps de celui qui dit, qui écrit, il y a le temps de l'événement dont il est question, il y a le temps du lecteur, puis un autre temps en fait qui est celui de toutes les lectures qui se sont succédées et qui ont construit un véritable monde qui parfois fait écran. Mais cet écran, il est hautement significatif. Et là, c'est ce que Benjamin au fond avait déjà dit. Hein, il y a une postérité de l'œuvre qui fait partie en fait. Hein, il parle de l'éon de l'œuvre, hein, avec un terme grec. Et c'est cette fortune, cette postérité de l'œuvre qui fait partie de l'œuvre qu'il faut comprendre, mais aussi le plus souvent. C'est pour ça que tu parles d'affrontement à raison. Et d'ailleurs, Bollack est quelqu'un qui s'est beaucoup affronté. Mais moi, je le fais. Pas forcément sur le mode de l'affrontement, en fait, hein, mais plutôt, comme tu disais, on est fait de la quelque chose, je ne sais pas si ça peut parler d'anthropologie, des pensées critiques, mais c'est un peu, moi j'essaie. Voilà, donc pour moi, c'est aussi en fait une méthode de philologique, hein, qui suppose, qui rend nécessaire la compréhension des écrans qui ont compliqué, voire empêché la lecture des œuvres, ou qui ont orienté les œuvres dans des voies qu'on estime aujourd'hui, ou que j'estime aujourd'hui, à revoir, ou à rectifier, etc., etc. Donc c'est aussi une recherche de ma propre lecture critique que je fais en lisant la critique des autres. Hein. Et en effet, c'est ça qui se passe dans la première grosse lourde partie, où j'essaye de voir justement, hein, tu parlais à propos de Delis, les différences qui se jouent selon les espaces nationaux. Donc je fais États-Unis, Allemagne, France, et puis ensuite j'essaye de revenir sur l'Est, hein, en particulier donc ce chapitre sur le judaïsme oriental, et puis la littérature des rabbins pour finir. Donc là j'essaie de saisir des paradigmes différents, mais souvent extrêmement différents, hein, qui ne se réduisent pas à une bipolarité Occident-Orient, au sein de l'Europe, pour essayer d'y voir clair en fait, hein, et surtout aussi de décentrer notre,
notre lecture, c'est-à-dire qu'on a une lecture en France en particulier qui a été très très infléchie, enfin, très orientée par d'abord ce qu'on appelait la littérature concentrationnaire, et puis ensuite à partir des années donc Rousset, Anthelme, mais aussi Primo Levi, à partir des années 60, en gros une émergence d'une littérature plus juive, ou qui se dit ou qui se veut plus juive, et qui évoque davantage donc la catastrophe juive. Et donc j'essaie de voir clair sur ce qui s'est joué à ce moment-là d'un clivage peut-être en France très particulier. On a contourné quelque chose, peut-être justement comme la catastrophe juive inscrite dans la littérature, qui fait qu'on a eu du mal à lire, même lorsqu'il y avait des concours attribués à Anna Lamfous par exemple, hein, ou des prix. On a eu du mal à lire des poètes comme Piotr Avitch, par exemple, hein, Le sang du ciel en 1961. Il me semble qu'il n'y a qu'aujourd'hui, où on a effectué un autre travail critique, hein, qu'on arrive à lire ces œuvres dans ce qu'elles ont aussi de météoritique, enfin, c'est des électrons libres, hein, ces individus à ce moment-là, dans leurs années 60. Et il me semble qu'aujourd'hui, on peut recueillir davantage. Au-delà donc des clivages et aussi de ce qu'elles ont pu avoir de polémique, ce qu'elles ont voulu penser elles aussi. En fait, ce que j'essaie de faire, c'est dans la partie sur les textes, la deuxième partie sur les œuvres, je distingue une première partie qui porte sur trois des portées politiques qui relèvent de cette fameuse littérature concentrationnaire, hein, c'est Rousset, Delbault et Kerol. Anthelme est là, mais un peu dans les interstices, par-ci par-là, hein, relu par Pérec. Et puis ensuite, j'évoque ce que j'appelle des caractères destructeurs en revenant, en empruntant à Benjamin, là encore, une formule, hein, c'est le titre d'un grand, grand texte de Benjamin en 1931, qui dit que le caractère, c'est la description d'un type, c'est évidemment dans la tête de Benjamin, hein, mais qui correspond à des conduites, des opérations bien particulières, celui qui se tient sur le front de la tradition, mais sur le mode de la liquidation, hein, qui conserve en détruisant. Et il me semble que cette conduite-là, très particulière, paradoxale, convient très bien à ce que j'analyse, hein, ces œuvres que j'analyse dans cette partie-là, qui sont Jean Améry, Imre Kertész et Piotr Avitch précisément. Puis dans la toute dernière partie, ça s'appelle La langue des enfants, et c'est là que j'essaie de lire en parallèle et en contrepoint à la fois Georges-Arthur Goldschmidt et Aaron Appelfeld, justement comme des créateurs de ce que j'appelle un mythe linguistique, la langue des enfants, hein, dont ils se sont réclamés l'un et l'autre dans des acceptions différentes, et dans des horizons culturels aussi extrêmement différents, et une forme de poétique de l'enfance, hein, qui est une certaine manière de faire revivre, de réveiller une mémoire enfouie dans un corps enfantin, hein, et qu'il s'agirait donc de faire revenir à la surface de la vie adulte et à la surface d'une histoire devenue tout autre, très tardivement. Hein. Et puis je confronte ces textes-là pour finir à ce qu'ont écrit les enfants eux-mêmes. Donc à ces écritures encore bien plus énigmatiques et beaucoup plus difficiles en fait à commenter que les textes d'écrivains consacrés. Oui, ça me donne presque envie de lire un poème de l'enfant. Oui, je sais, ouais, n'est-ce pas, ouais, ouais. Mais je ne sais plus où c'est. Je ne retrouve, plus le pas. C'est Aschenbourg, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, là, là, moi, oui. Attends. Vous me laissez une seconde, sinon. Voilà, tu es en Pologne. Aschenbourg, c'est à Tchécoslovaquie. C'est Theresienstadt où il y a. Bon, tu peux dire qui c'est. C'est un cas très particulier. Voilà. Hein, oui. C'est un des tout jeunes poètes, il avait 13 ans. Voilà. Qui ont écrit à l'instigation, à la sauce, encouragés par leurs guides, hein, qui étaient le mouvement Rehalout, le mouvement pionnier juif, hein, dans les foyers de Theresienstadt, hein, où ont été éditées des revues, comprenant des poèmes, des textes, des essais d'une incroyable précocité. Il y a une efflorescence tout à fait saisissante d'œuvres. Et dont l'un, moi c'est vraiment le poète qui me semble le plus frappant, hein, Hannus Aschenbourg, qui a écrit donc à Theresienstadt, qui a ensuite, semble-t-il, continué d'écrire dans le camp familial de Theresienstadt à Birkenau,
mais qui a disparu là-bas. Je vais vous lire un poème de cet enfant, à Schönbrunn, né en 1929. Thérésine, un peu de saleté cernée dans la lèpre des murs, avec un peu de barbelé autour. 30 000 sont là, dormants, qui un jour s'éveilleront, et ce jour-là verront la mare de leur sang. Je fus jadis un enfant, voilà tantôt 3 ans. Ma candeur rêvait d'autres mondes. Elle est passée, l'enfance. J'ai vu les flammes, je suis mûr à présent. Et j'ai connu la peur, les mots sanglants, les jours assassinés. Où sont les croque-mitaines d'antan? Moi, mais je crois, moi, qu'aujourd'hui est un songe, qu'avec mon enfance, je reviendrai là-bas. Enfance, fleur d'églantier, cloche bourdonnant du fond des rêves, mère couvant son petit souffreteux de l'amour le plus fort, ivre de sa féminité. Jeunesse affreuse qui guette l'ennemi, la corde. Enfance affreuse qui, dans son fort intime, se dira « Un tel est bon, mais cet autre est méchant. » Douce enfance lointaine qui doucement repose dans ces petites allées d'un parc. Et là, sur cette maison, quelque part se penche, quand pour moi restait seul le mépris, là-bas, dans les jardins et dans les fleurs, où, du sein maternel, je suis né au monde pour pleurer. La bougie brûle et je dors sur ma couche pour comprendre plus tard peut-être que je n'étais qu'un tout petit, juste aussi petit que le cœur des 30 000 dont la vie dort. Là-bas, dans les parcs, se réveillera, ouvrira un beau jour ses yeux. Et parce qu'elle en verra trop, dans le sommeil replongera. Ce qui me frappe au fond en le réécoutant ce texte, c'est la dimension encore messianique qu'il y a. C'est-à-dire qu'on parle encore au futur. Il y a une espèce de capacité de projection, même si évidemment la fin boucle, revient bien sûr à ce qui se passe. Mais il y a toujours cet élan très particulier, alors qui vient aussi du fait que le jeune poète, là, il a été éduqué au pionnier Eralutz, hein, donc dans un monde, hein, qui s'était familiarisé profondément avec le messianisme dans sa dimension profane, politique. Mais ce n'est pas seulement ça. Il me semble qu'il y a quelque chose qui se joue là très souvent. Volac a dit, par exemple, c'était un de nos sujets de mésentente, c'est pour ça qu'il n'aimait pas Benjamin, que le messianisme était mort avec le meurtre de ses porteurs. Et je pense que ce n'est pas vrai, en fait. Je pense en tout cas qu'il y a quelque chose d'autre, de nouveau, évidemment de beaucoup plus... c'est un messianisme brisé, évidemment, mais qui existe, qui fait écrire, qui fait penser, qui fait non pas espérer justement, mais écrire et créer encore, et évidemment différemment. Nous sommes partis un peu plus vite dans cette direction que je me posais. J'aurais voulu qu'on mentionne tout de même, ça devient un peu plus formel, j'aurais voulu qu'on mentionne tout de même une thèse, on peut dire, importante de la littérature en suspens sur ce que c'est que le témoignage. Parce que tu discutes sur la question, le témoignage est-il un genre? Et tu dis, et ça me paraît très important et très fort aussi, le témoignage non n'est pas un genre, c'est un acte. Donc aussi transgenre, si je comprends. Oui, c'est-à-dire qu'après avoir subi donc tous ces écrans, hein, qui ont... pour une part, fait qu'on ne l'a pas lu ou qu'on ne l'a pas lu sous l'espèce de la littérature, le témoignage a au contraire été l'objet d'une forme de
d'esthétisation, de sublimation hein, dans les discours théoriques, je pense là justement à Derrida, Shoshana Feldman, etc., qui fait qu'on y voit même aujourd'hui un genre. Hein. On parle de genre testimonial, ou on parle du témoignage comme genre littéraire. Et je pense, moi, qu'on ne peut pas parler du témoignage en ces termes-là. Bon, je pense d'abord qu'en fait, la poétique, pour l'essentiel, n'est pas en fait une... Je pense que plutôt la question du genre n'est pas au centre, voilà, de la poétique. Je pense que c'est pas en classifiant, en catégorisant, même des règles du jeu, qui sont pourtant très importantes, qu'on arrive à saisir la manière dont un texte poétique agit. Voilà, ce qu'il a d'agissant, d'actif, et qui passe justement très souvent par, oui, le choix d'un canon formel, mais aussi un travail de séparation, d'affranchissement d'avec ce canon formel. Et c'est ça la dimension active, donc d'un texte littéraire, d'un texte authentiquement créatif. Donc ça déjà c'est important pour moi, c'est une certaine conception de la poétique, il ne met pas la théorie des genres au cœur de la poétique, de l'approche du texte littéraire. Et d'autre part, donc je pense qu'en effet l'acte de témoignage qui est un autre acte que l'acte poétique, il y a précisément cette rencontre des deux actes qui m'intéresse, et dans les deux cas il y a l'exigence d'une continuité entre la parole et l'acte précisément. L'acte testimonial est un acte qui déborde hein, la question, qui transgresse, même qui va faire traverser précisément des canons formels. Le témoin va user et parfois mésuser, hein, bien sûr, mais aussi parfois démultiplier l'usage des genres, des canons, des règles du jeu, pour essayer hein, de trouver comment parler, comment raconter, comment fictionnaliser et comment transmettre évidemment, donc par un langage culturel partagé, l'expérience historique qui, elle, n'est justement pas partagée ou pas partagée par tous. Voilà, donc je pense qu'il y a une espèce de grand malentendu dans cette histoire de genre. Bon, donc là, je bataille un petit peu, mais au fond, je ne bataille pas parce que c'est des gens, c'est des amis pour la plupart et on discute toujours de ça. Je faisais encore hier avec Charlotte Lacoste dans un séminaire d'historien. Voilà, je pense que c'est une. Et elle me disait, il y a quand même quelque chose hein, d'un genre dans le récit de déportation. Alors oui, en effet, le récit de déportation est précisément quelque chose qui est devenu un genre parce qu'il y a eu donc des espèces de séquences narratives hein, qui se sont répétées et donc qui constituent un corpus bien particulier. Mais ça n'est pas le genre testimonial parce que le genre le témoignage, justement, comprend une multiplicité de corpus. Par exemple, la chronique des ghettos ne relève absolument pas, justement, du genre récit de déportation par le survivant. Donc, c'est moi, c'est cette espèce d'ouverture du champ le plus large possible que j'ai tenté de faire pour reculer, au fond, le moment de la théorie. Et au fond, moi, je ne suis pas une théoricienne parce que je résiste à la théorie à cause de ça. Je suis plus... C'est la pensée critique, c'est plus dans la critique des œuvres. Et c'est dans les œuvres que j'essaye, et donc la difficulté, c'est bien sûr le moment du surplomb, hein, mais je le fais quand même de manière assez immanente, philologique, en essayant d'aller chercher dans telle phrase, telle formule de tels écrivains, de quoi penser peut-être aussi ce que font d'autres écrivains. Et c'est mise à l'essai, en fait, à chaque fois. Oui, tu as mentionné Benjamin, je crois vraiment que tu... Dans la tradition, Benjamin, c'est celui qui... Alors qu'il n'y a aucun mimétisme dans ta manière d'écrire, dans ta manière de faire, ça ne se ressemble pas du tout. Mais l'inspiration, comment dire, pas l'inspiration au sens forcément toujours conçu, mais la présence de Benjamin dans ton histoire intellectuelle est certainement décisive. Ouais. Qui est passé par Baudelaire d'ailleurs. C'est Baudelaire qui m'a conduite à Benjamin. Ouais. Et à Kafka. On a un peu perdu tout de suite, ça fait rien. Mais, il y avait une feuille de route. Il y avait une feuille. Catherine s'est un peu moquée de moi parce que je n'avais pas préparé à dérouler. Vous voyez ce que c'est, un déroulé. Mais finalement, on s'en écarte un peu. Est-ce qu'on peut revenir à la poésie, puisque tout de même, nous sommes avec la revue Poésie en principe. J'ai oublié de dire tout à l'heure que Michel Deguy devait être ici pour converser aussi avec Catherine. Et il est désolé, il s'excuse beaucoup, il a été pris dans un colloque
qui n'est pas à Paris pendant 3 jours, et donc voilà. Mais il aurait été très heureux de discuter, il a une grande admiration pour les deux livres de Catherine. Je reviens à la poésie, si tu veux bien, un instant. Cette question, tu as mentionné déjà, tu as parlé déjà d'utopie. Est-ce qu'il n'y a pas spécialement dans la poésie, dans celle à laquelle tu as affaire, ou à laquelle tu pourrais avoir affaire, donc ça dépend, tu n'en parles pas forcément très explicitement ou très longuement, mais évidemment, Paul Celan, par exemple, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension utopique? Tu emploies le terme utopie, tu te réfères en effet à Herzberg, par exemple, le principe de Celan, etc. Est-ce que dans la poésie, il n'y a pas aussi dans l'acte poétique, pour prendre le terme de l'acte, justement, s'il y a un domaine, une région de la littérature où le terme d'acte, en effet, prend toute sa portée, c'est celui-là, est-ce qu'il n'y a pas une dimension utopique? Je vais tout de suite dire quelque chose dont je n'ai pas parlé. Donc, une chose très simple, très évidente, c'est peut-être une banalité absolue et affreuse, tu me le diras, mais sur le poème probablement le plus connu de la littérature de témoignage, La fugue de mort de Paul Celan, il y a quelque chose de totalement irréel et utopique. Enfin, vous vous souvenez, je ne vais pas vous le lire, je l'ai là, mais je ne vais pas vous le lire, mais le nous de la fugue de mort, cette voix qu'on entend au nous, c'est précis, c'est la voix des détenus dans le camp, des détenus qui vont brûler, des détenus qui sont en proie au SS, etc. Cette voix, c'est justement celle qui n'existe pas. Il n'y a jamais eu nous pareil, bien entendu. Et c'est justement cette voix qui ne peut pas parvenir. Donc le poème se fait le récepteur, impossible, aucune réception de cette nature était possible, d'une voix qui elle-même était impossible. Et pourtant, c'est une vérité sur la situation qui est extraordinaire. Tu seras d'accord là-dessus? C'est un peu ça que je pensais tout à l'heure quand je parlais de la méta-réalité de Lyotard, qui justement, dans cette destruction de la réalité qui devient méta-réalité, et qui réclame un idiome, d'ailleurs, entre autres poétique, disait Lyotard. Idiome philosophique, idiome littéraire. Et alors lui, au fond, il ne croyait pas à la littérature de témoignage, il ne sait pas ça. Il faut un autre idiome, et c'était évidemment un idiome poétique. Alors au fond, cette question de l'utopie, c'est un petit peu celle que j'évoquais à travers le mot messianique, qui ne convient pas forcément évidemment à tous les poètes. Bien qu'on trouve aussi, à mon avis, cette dimension chez Celan, mais évidemment, travaillée négativement, réfléchie, détruite en même temps que conservée, enfin, comme dans cette espèce de ce travail paradoxal qu'il effectue dans la langue, dans ce travail de décomposition presque syllabique du langage. J'ai envie d'essayer, je me suis dit comment il va me demander qu'est-ce que c'est la poésie pour moi, et je ne vais pas arriver à le dire, parce que c'est pas possible. Alors je me suis demandé comment essayer de résumer les choses, et je vais peut-être essayer de le faire à travers des images en fait. Pour moi, peut-être pas la poésie d'ailleurs, mais le poétique, ou disons je dirais l'émotion poétique, elle apparaît quand quelque chose a lieu qui ressemble à une forme d'assourdissement brutal, presque comme si on plaçait une paroi, je dirais, une paroi transparente, mais qui assourdissait les sons, qui ne les faisait pas disparaître. Une paroi donc qui n'est pas une paroi essentiellement de séparation, ni une paroi de protection, mais qui assourdit les bruits du monde, qui assourdit les bruits du langage, les bruits qui sont liés à notre gesticulation, notre agitation, les bruits des concepts, les bruits des disputes aussi, des discours, etc. Et qui fait qu'on, donc, en switchant en quelque sorte, ce bruit-là fait entendre ce bruit-là de plus loin, à travers les pulsations, évidemment, de son propre corps. Pulsations cardiaques, je dirais, mais aussi respiration, rythmique particulière liée à la singularité d'un corps qui devient une espèce de chambre d'écho de ces bruits du monde. Et ce qui me semble très particulier, c'est ce mélange de distance que ça donne, mais dans une forme de nouvelle extrême proximité, évidemment d'avec soi-même, comme si on entendait son propre cœur, mais aussi du
cœur des vivants, c'est-à-dire que c'est cet assourdissement qui permet en fait d'être confronté à la violence hein, de la présence d'autrui et des autres vivants, je dirais. Et il me semble que c'est aussi cette distance-là qui déplace en totalité nos perceptions du monde. C'est-à-dire que ça fait monde, j'ai envie de dire. Le fait de saisir en totalité les perceptions hein, dans un espace-temps très resserré fait monde. Et je pense toujours à cette phrase, et c'est un monde qui du même coup peut se partager en s'adressant à quelqu'un. Je pense toujours à cette phrase d'Emily Dickinson, qui est, c'est pas cette phrase d'ailleurs, c'est un poème. Je vais vous le dire, il est tout court. Je vais vous le dire en français, excusez-moi. Je le connais sûrement par cœur, Claude. Moi, j'adore Emily Dickinson. Voici ma lettre. Et Dieu sait qu'elle ne s'est pas confrontée à l'histoire. Elle était dans sa chambre. Dire. Elle était dans sa chambre. Et, non, c'est, ouais, et c'est ça pour ça peut-être que je parle de ça. Voici ma lettre au monde, avec un grand M, qui ne m'a jamais écrit. Le monde qui ne lui a jamais écrit. Les simples nouvelles que la nature disait avec une tendre majesté. Son message est confié à des mains que je ne vois pas. Pour l'amour d'elle, doux compatriote, jugez-moi avec tendresse. Tous les mots sont discontinus, hein, séparés les uns des autres. Voilà, avec des tirets. Voilà, donc il y a quelque chose dans cet assourdissement de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la caresse, de la tendresse, de la douceur créée. Par cette paroi, et cette paroi en fait elle tient juste à l'utilisation, mais dans ce juste il y a tout bien sûr, toutes les opérations linguistiques, poétiques, elle tient juste à la création d'un autre langage, d'une autre rythmique, et qui a pour le pouvoir à la fois de réveiller la vie, réveiller quelque chose d'endormi dans la vie, mais aussi justement d'adoucir cette vie, et souvent de réveiller violemment, mais aussi d'adoucir le sentiment, donc en créant, et aussi le fait de à la fois découvrir dans quelque chose hein, de nouveau, d'inconnu, mais aussi de reconnaître, c'est ce mélange. Il y a toujours quelque chose, pour moi, qui relève un peu de la sensation de réminiscence dans l'émotion poétique. À la fois, on est confronté à quelque chose de nouveau, d'inconnu, d'étrange, un autre son, un autre timbre, un autre rythme, une autre vie, justement, d'autres vivants, et à la fois, cette espèce de découverte qui est parfois la découverte du plus simple, ce qu'on savait déjà, passe par la reconnaissance, par une forme de réminiscence hein, qui est... Alors c'est justement peut-être le génie d'un poète de fabriquer ces effets de réminiscence, je ne sais pas comment le dire. Et c'est pour ça que je sais que tu partages aussi cette admiration... Le texte de Chalamov qui s'appelle Chéri Brandy et qui évoque la mort de Mandelstam, le poète hein, au camp, pour moi il représente véritablement à la fois pas seulement l'inspiration poétique hein, qu'on peut avoir jusque dans un camp, mais l'émotion poétique elle-même, c'est-à-dire que c'est au moment où le poète meurt hein, que lui vient cette espèce de révélation sur ce qu'est la poésie, qui est comme simplement souffle, respiration quasi biologique. Et qui se passe en fait de toute forme d'écrit. Et tout ça dans une espèce de légèreté aérienne qui fait évidemment construire un contrepoint terrible par le cruel Chalamov. Hein, on trouve à la fin la pesanteur du camp hein, qui s'effondre hein, sur ce monde-là quand même. Mais il y a eu cette espèce d'envolée et c'est pas du tout quelque chose d'évanescent, même s'il y a une expérience de l'évanescence à l'intérieur. Et voilà, pour moi, c'est un peu ça. Et je vois ça aussi dans cette fabrication d'une douceur particulière dans la prose d'Appelfeld, qui pense aussi justement beaucoup la question de la réminiscence et qui le pense à travers les fameuses voix d'enfants. Hein, tous ceux qui ont lu Histoire d'une vie savent, hein, moi je suis tout à fait encore sous le charme, et pour toujours très certainement, de ce qu'il dit sur ces voix d'enfants, pas dans les camps, mais dans les camps de réfugiés en Italie. Hein, dans le voyage qu'il le mène en Israël, lui-même adolescent, regardant et écoutant ses voix d'enfant, et bon, je voulais lire aussi un passage, mais je n'ai pas le temps, hein, c'est la petite Amalia, hein,
qui dit des choses un peu incompréhensibles, qui semble raconter des histoires pleines de détails mystérieux, mais qui le dit dans une forme de mélodie où on retrouve quelque chose d'évidemment biblique avec cette recherche du très simple qu'a Schappelfeld, mais qui est aussi le chant des oiseaux. Voilà, il y a une espèce aussi de naturalisation de la douceur. Et c'est ça qui fait qu'on est dans le poétique, disons. Donc c'est plutôt le poétique que le poème, au fond, que j'arrive peut-être à... Mais pour moi, le texte d'Ehrenbourg aussi engendre ce que je suis en train d'essayer de résumer là. Je ne lirai pas ce texte. Lequel? Oui, que tu viens de mentionner. Le texte d'Ehrenbourg. Ouais. Je t'ai jamais entendu parler de poésie comme ça. J'ai jamais entendu parler de poésie comme ça. Donc, je trouve que ce que tu as dit au début, en particulier de la paroi, bien sûr, on pense de nouveau au texte de Schönborn qu'on vient de lire, ouais. Bien entendu. Et le rapport à l'enfance, en effet, est très profond, là, dans tout ce que tu as dit aussi, bien sûr. Si tu veux, après, je voudrais dire quelque chose sur Chalamoff et le texte sur Mandelstam, enfin sur Mandelstam, pas sur Mandelstam, mais évoquant Mandelstam, mais j'aimerais bien que tu nous lises le texte. On a le temps. Alors, un petit peu, pas trop long, je ne vais pas tout vous lire. Bon, la guerre avait produit beaucoup d'enfants étranges, mais Chico était unique en son genre. En fait, l'essentiel du texte a porté sur l'enfant Chico, mais c'est pas cet enfant-là que je vais évoquer. Il errait alors avec un groupe d'enfants artistes, c'est le collectif des enfants qui compte, de 7 ou 8 ans. Il y avait parmi ces enfants des jongleurs, des cracheurs de feu et un garçon qui marchait sur une corde tendue entre deux arbres. Il y avait aussi une petite chanteuse, Amalia, qui possédait une voix d'oiseau. Elle ne chantait pas dans une langue connue, mais dans sa langue à elle, qui était un mélange de mots dont elle se souvenait, de sons des prairies, de bruits de la forêt et de prières du couvent. Les gens l'écoutaient et pleuraient. Il était difficile de savoir de quoi parlaient ses chansons, il semblait toujours qu'elle racontait une longue histoire pleine de mystérieux détails. Son amie de 7 ans dansait à côté d'elle, et parfois seule, et Amalia aimait le regarder danser comme si elle avait été un peu sa grande sœur. Voilà, donc il y a aussi une idée de fraternité, et ce couple-là, on va le retrouver dans d'autres textes. Juste par rapport à ce que je lisais de Dickinson, La lettre au monde, là, au fond, la grande question, c'est... C'est qu'est-ce que devient cette fameuse tendresse dont elle parle, cette majesté, quand le monde se défait, qui est justement l'expérience historique de ce qu'on appelle catastrophe, je crois que c'est ça qui se passe aussi, et qu'il faut néanmoins que le poète refasse ce monde. Et je crois que ce qu'a fait Tselane, c'est ce que dit Bola quand il est très très cru, c'est qu'il s'est placé... Il s'est placé dans la chambre des morts, enfin, il a placé à côté de lui les morts, avec une fermeté et une constance rare. Mais je crois que c'est ce que font, en fait, les auteurs qui témoignent. Et c'est donc qu'on se retrouve dans ce que j'appelais la chambre d'écho, qui fait entendre ce rythme pulsatile qui vient de celui qui écrit. Cette chambre d'écho se complique de l'écho des voix des morts, dans cette proximité d'une... Je vais lire quelques mots, parce que ça va tellement juste par rapport à ce que tu dis, je n'ai pas du tout pensé. J'avais noté là, mais vraiment pas, ce que tu viens de dire exactement, ce que tu viens de dire exactement sur placer, ce que dirait des Bolac de Céan, placer à côté de soi les morts. Il y a quelques vers de Ingeborg Bachmann, proximité avec ses langues très grandes, comme vous le savez, et elle écrit dans les chants de la fuite, ces 5 vers. Notre divinité, l'histoire, nous a commandé un tombeau d'où nous ne ressusciterons pas. En toute langue se taisent les morts contre moi serrés. Incroyable la proximité. Pardon. Non, voilà. Non, c'est, continue c'est... à m'interviewer. On va peut-être aussi de donner la parole à la salle, si elle veut bien. J'aurais aimé continuer à t'interviewer, en effet, sur la dimension utopique, et en particulier dans la poésie. Il y a aussi quelque chose dont tu parles, évidemment, et qui,
Le capital est tellement complexe et profond, c'est la question de l'adresse du poème, de la destination du poème, de l'interlocuteur, dans les termes de Mandelstam, repris par Celan lui-même, bien sûr. Le poème est destiné, mais à qui, à quoi ? Évidemment, c'est peut-être vrai pour toute œuvre, mais spécialement pour le poème, c'est dans le présent même du poème qu'il y a ce geste d'envoi vers... Ça, c'est Claude qui en a mieux parlé, son livre... là-dessus, mais ça me fait repenser à ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'affaire Ivan Goll, puisque là c'est bien la question de l'adresse, de qui va lire le poème, par qui suis-je lu. Paul Celan a écrit en allemand et il a vécu en France, et ça faisait partie de l'inquiétude en fait, hein, mais bonne foi dans le livre, ce qui alarma Paul Celan, il revient, très très beau petit livre sur cette affaire, dit que l'angoisse, le souci, comme il le dit, de Celan, était plus large. Le souci, c'était l'alarme était l'idée que peut-être la poésie n'était plus lue, ou ne servait plus, ou n'était plus comprise dans le monde qui était le sien. Donc pas seulement la France, mais le monde tout court. Donc c'est qu'on pouvait donc faire des contresens fondamentaux, comme l'avait fait Claire Goll, en parlant de plagiat, ce qui supposait de voir le poème comme, au fond, un montage rhétorique, un montage de figure, susceptible donc d'emprunt, alors qu'évidemment, l'auteur qui est là dans l'acte poétique, en empruntant, puisque évidemment tout le monde a emprunté les plus grands, immédiatement s'approprie ce qu'il emprunte et le transporte dans son monde à lui. Donc c'est cette incompréhension largement partagée, c'était la grande inquiétude de Celan, de ce monde à lui, de cet idiome qui devait justement absolument être singulier mais partageable, c'est l'angoisse du non-partage en fait de la poésie, d'être un monde où on ne pouvait plus partager la poésie et donc où l'expérience sociale, l'expérience... Le rapport entre les hommes était voué à ne plus se laisser diriger que par justement le bruit des mots, de cette agitation, cet usage instrumental en fait du langage et donc aussi idéologique, bien sûr. Voilà. J'ai envie de citer là deux vers de quelqu'un qui n'est pas un poète témoin au sens où nous en parlons, mais qui est tout de même un rapport à ces situations. C'est Marina Tsvetaeva. Et elle dit: en quelle langue ne pas être comprise et de qui, ça m'est égal. Elle était forte pour ne pas se faire comprendre. elle était très forte, mais elle a perdu sa force à la fin. Elle en est morte. Ouais. Voilà. Écoute, j'ai un tout petit peu dérivé par rapport à notre coin conducteur. Mais je crois qu'on va peut-être maintenant, si tu veux, vous demander si vous voulez. Parce que je crois qu'il nous reste peu de temps. Je ne sais pas exactement à quel moment on va nous dire qu'il faut. Il faut partir. Je suis un tout petit peu inquiet de ça. Donc, si peut-être vous avez, vous, des choses à nous dire. Ouais. Alors, micro, comment on fait ? C'est moi qui... Ah, ouais. Oui, je voulais vous demander si vous faites une distinction entre ce texte, cette littérature... des témoins comme Rousset, Anthelme, qui ont écrit après la déportation, et ceux qui, comme ces enfants dont vous avez lu un poème, ont écrit quand ils étaient justement dans les camps. Oui, bien sûr, ça fait ce que j'appelle le temps de lecture, qu'il faut crever pour essayer de retrouver le présent du texte. C'est une des données de cette problématique-là, c'est-à-dire qu'il faut reconstituer les circonstances évidemment de rédaction et évidemment aussi les expériences vécues de chaque auteur. Donc on peut absolument pas lire ces textes sans s'informer le plus précisément possible sur le camp exact de la rédaction. C'est quelque chose qu'a fait très tôt Michel Borowicz, qui était lui-même un survivant et qui s'est installé en France et qui a fait une thèse en fait, qui a été publiée en
ensuite dans les années 50 sous le titre écrit Des condamnés à mort sous l'occupation, et qui a réfléchi à cette dimension anthropologique particulière liée au passage à l'acte d'écrire sous menace de mort collective. Il repère deux grandes fonctions de ces écrits, la fonction de clarification de ce qui est en train d'être vécu et la fonction de compensation. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a un chapitre très, très, très intéressant, très elliptique, mais déjà très parlant, sur les fameux textes écrits par des enfants, puisqu'il dit qu'au fond, s'il s'attaque à la question de la valeur littéraire, très tôt, dans les années 50, ce qui est très rare, c'est-à-dire que très, très peu sont ceux qui ont osé poser la question de la valeur littéraire des témoignages. Donc lui se donne ce droit, hein, aussi en tant que survivant, et il le fait de manière vraiment très audacieuse. Et il dit, voilà, c'est pas parce qu'il y a eu une expérience nouvelle qu'il y a des poétiques nouvelles. Au contraire, très fréquemment, celui qui écrit fait un usage précipité, rapide, de certains procédés rhétoriques et qui donne lieu à une espèce d'expressivité faussée ou empruntée, justement. Et ce qu'il dit, c'est que, donc, échappe à ce phénomène, soit ceux qui ont déjà à leur actif et dans leur expérience un travail poétique élaboré et qui procède à une espèce de repensée, de réécriture de leur écriture jusque-là, soit les enfants qui ne disposent pas de ça, mais qui, par une faculté qui leur appartient en propre, hein, il évoque certains de ces textes, vont directement à l'essentiel, à une forme d'essentiel. C'est aussi ce que dira Appelfeld. Et parviennent à dire quelque chose, hein, en utilisant des tours. Borwitch parle de charme, il parle même de primitivisme incontestable du journal, je crois que c'est celui de David Rubinovitch, qui est en effet un journal tout à fait incroyable, terrible, hein, mais une très grande poésie, justement. Alors il y a quelqu'un qui a réfléchi à cette terme elliptique, c'est justement Piotr Avitch, dans la préface qui le consacre au Sablier, le livre Sablier de Daniel O'Keefe. Il évoque l'interdit d'Adorno, la poésie barbare après Auschwitz, etc. Il dit, mais non, le philosophe n'a pas compris, ça existe depuis très longtemps, cette histoire, et le premier qui a répondu à cette question, c'est Jérémy. Voilà, et donc il y a un rapprochement par Avitch entre la prose, hein, du prophète et les textes justement écrits dans les ghettos. Il cite Ringelblum et il cite Chaim Kaplan, l'un sionisme laïque, sioniste de gauche, laïque, historien, l'autre au contraire héritier d'une famille tout à fait religieuse, et il montre que dans un cas comme dans l'autre, il y a ce qu'il appelle des témoignages bruts, pour revenir sur cette expression, il y a quelque chose qui, dit-il, est d'une haute poésie. Et il dit qu'il faut entendre le mot poésie, non pas en tant que genre, justement, mais en tant que, dit-il, rang ou qualité. Et donc, les textes sont, les témoignages sont, dit-il, les véhicules d'une haute poésie. Et c'est dans cette poésie, cette haute poésie, c'est très compliqué de comprendre ce que c'est que cette poésie qui ne se réduit pas, ou même qui n'a pas grand-chose à voir, et même rien à voir, cher Ringelblum, avec la littérature. Ringelblum ne voulait pas faire de la littérature, justement. Chez Kaplan, c'est tout différent. Il se réclame de Bialik, de toute une tradition juive, donc c'est autre chose. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y a, pour Avitch, une haute poésie. Je partage cet avis, ce qui est la grande difficulté de comprendre cette poésie. Et je pense que là, des gens comme Celan, qui ont philosophé de penser à travers leur poésie, nous aident aussi à comprendre ça. C'est-à-dire que Celan a distingué entre justement l'utopie qui guidait la poésie, avec un grand P, hein, et ce qu'il appelle le bruit de quincaillerie de l'art. Qui est aussi celui de la littérature. Donc voilà, c'est en traçant ce seuil, il y a une force de projection, si vous voulez, hors de l'art, et je dirais volontiers la culture, l'histoire de la culture, justement toutes ces règles du jeu qui se sont accumulées et qui créent un stock, hein, de trucs, de procédés, qui font un bruit de quincaillerie, certes délicieux, c'est celui de la culture, hein, mais donc, il y a une force de traverser les projections de la poésie vers quelque chose qui n'existe pas encore et qu'on ne connaît pas encore dans le travail d'exploration du langage lui-même. Et donc, il y a dans ceux qui témoignent de cette histoire inédite, justement, et qui essayent de penser ce qui n'a jamais eu lieu et ce qui n'aurait jamais dû avoir lieu, quelque chose qui prête, évidemment, à une forme
l'inauguration aussi dans le règne du langage, au fond. Je ne sais pas, je dis ça mal, je crois, mais j'ai du mal à comprendre, en fait, moi-même, ce que c'est que la poésie. Mais on le sent très, très bien, par contre. On le sent, par exemple, aussi très bien lorsqu'on lit Dans le Nuit de la vie de Jean Hatzfeld. Enfin, quand je dis de Jean Hatzfeld, je suis toujours un peu gênée. C'est ces textes qui ont une manière de parler du génocide, d'une manière chantante, mélodieuse, imagée, qui est tout à fait... qui fait de ces textes et de l'ensemble du livre quelque chose qui relève aussi de la poésie, à mon avis. Oui, si je posais cette question, c'est parce que je travaille depuis quelques années sur l'art clandestin dans les camps nazis, mais pas les camps d'extermination, les camps de concentration, notamment le complexe concentrationnaire de Buchenwald-Dora et des commandos, où il y a eu de nombreux, on a fini par en répertorier 40, déportés dessinateurs qui, sur place, donc, ont dessiné. Quelques-uns même ont réussi à peindre parce qu'ils avaient récupéré dans leurs vêtements civils qu'ils avaient laissés, la petite boîte d'aquarelle qu'ils avaient dans leur poche, et donc à faire des dessins sur place, au moment où ils vivaient la déportation. Et ce qui est extrêmement... Et bon, la question se pose, est-ce des témoignages ou est-ce de l'art? Bon, moi j'en conclus que c'est de l'art. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que la plupart d'entre eux, quasiment tous, n'ont pas continué à peindre après, mais pas la déportation. Ils l'ont fait au moment où ils y étaient. Ils l'ont fait, on pourrait presque dire, sur le vif. Et ça a une force évidemment incroyable, avec évidemment toute la précarité que comportent ces dessins au niveau du matériel, du papier, des crayons qu'il fallait se produire. Et il y a quelque chose là d'absolument extraordinaire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par contre, quand vous distinguez, vous dites qu'il faut choisir, est-ce que c'est du témoignage ou est-ce que c'est de l'art? Je pense justement que non. Je pense qu'il faut arriver à comprendre comment les deux se mêlent là. Il y a aussi des peintres qui ont arrêté de représenter les camps, les corps morts, etc., pour ensuite réveiller cette mémoire. Je pense à Zoran Muzic, par exemple. Oui, tout à fait. Et beaucoup, bien sûr. Oui. Et avec un temps qui a été de latence, qui n'était pas de l'oubli, bien sûr. Oui, tout à fait. Mais il y a par exemple deux dessinateurs, plus même, trois ou quatre, de Buchenwald, qui étaient des Français et qui, très peu de temps avant la libération, il y avait un surpeuplement dans ce qu'on appelait le petit camp, parce qu'il y avait tous les déportés qui venaient des camps de l'Est, qui donc on avait mis dans le petit camp de Buchenwald, donc il y a eu une mortalité considérable, à tel point qu'il n'y avait pas de chambre à gaz, là, il y avait uniquement des fours crématoires, et il y avait des tas de squelettes, et ils ont dessiné ces tas de squelettes. Et ce qui est très curieux, c'est de voir, ils n'avaient pas de couleur à leur disposition, mais ils ont écrit en bas, à gauche, à droite de leur dessin, à tel endroit, pantalon de telle couleur, veste de telle couleur. Donc ils voyaient ça avec de la couleur. Et il y en a un qui a fait un dessin absolument extraordinaire, c'était un Belge, Joseph Hosty, qui a donc dessiné ces tas de cadavres, et il les a dessinés les yeux fermés. J'ai eu la chance de le rencontrer, il est mort au printemps 2015, et je lui ai dit, mais enfin, vous les avez vus comme cela, parce qu'on sait que bon, ces cadavres étaient avec la bouche ouverte, les yeux ouverts. Il a dit, oui, j'ai dessiné ce que je voyais. Et en fait, non, il a eu là un geste d'humanité, il a voulu rendre à ces morceaux, comme disaient les nazis, leur humanité, en leur fermant les yeux, et certains même ont le visage apaisé. Bon, bah, c'est tout le... Oui, c'est apparent, parce que j'évoquais tout à l'heure, voilà, ce travail d'adoucissement, oui, qui évidemment a particulier toujours avec le travail artistique. Évidemment, c'est tout autre que ce qui se passe en littérature. Bien sûr. Alors, les esthéticiens, les historiens d'art commencent à s'intéresser de près à cette production et à essayer de l'intégrer à la fameuse histoire de l'art, parce que ça pose au fond, oui, les mêmes problèmes. Il y a aussi quelque chose comme un suspens. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais dans un jury d'une thèse absolument énorme, de 1200 pages,
de Paul Bernanos qui essayait justement de faire ça à l'EHESS, de revenir, d'intégrer, alors en évoquant pas seulement les survivants, mais aussi des œuvres comme celle de Richter ou de Foudrier, etc. Et puis même aussi de revenir à l'avant pour essayer de comprendre, donc de relire en fait l'histoire de l'art à la lumière de l'après, ce qui évidemment est très compliqué. Oui, tout à fait. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Est-ce que, combien de temps on a ? C'est surtout pour vous remercier, surtout d'avoir évoqué Rohrmann, pour un pas, que je trouve qu'un livre absolument exceptionnel, qui est un peu à part. C'est un, vous parlez de poésie, de chant. C'est une poésie finalement, c'est un chant. Ce livre est pour moi un peu hors du commun. Il y a Piotrowicz aussi qui est formidable. Mais ce ne sont pas les gens les plus réputés. Et pourtant, Rohrmann, ce livre est quelque chose d'absolument exceptionnel. Et j'ai été extrêmement touché de la façon dont on a parlé. Je vous remercie, j'avoue que je n'ai pas tout à fait avec vous parfois. Mais heureusement qu'il y a des traducteurs. Moi, je suis une grande réclameuse de traduction, devant l'éternel. Je ne sais pas bien traduire, mais je ne sais pas traduire du tout, mais comme lui, qui traduit des langues qu'il ne connaît pas. Surtout, il est très fort. Mais moi, je n'arrête pas de réclamer, et donc, dès que je peux, je réclame des traductions, j'en édite éventuellement, etc. J'ai été bénie, le Rachel Hertel, quand j'ai découvert ce livre absolument incroyable, extraordinaire. Sur la question des traductions, et pour revenir à des termes qui ont été flottés dans l'utopie, il y a la question des langues, en effet. Ça se joue aussi dans cette atmosphère utopique messianique. Benjamin, qui t'inspire, il y a chez Benjamin, dans sa pensée sur le langage, quelque chose d'absolument, d'ailleurs très très difficile à saisir, mais quelque chose comme le langage qui surmonterait la division des langues. Même un langage pur, voilà. Dans ton texte, dans la traduction. Et même pas un langage de communication, c'est un langage vertical. C'est justement pas celui de la communication. Voilà, voilà. Et où il rejoint, bien sûr, Mallarmé, les langues imparfaites dans cela que plusieurs manquent la suprême, dit Mallarmé. Mais ça hante aussi ces situations, et y compris les situations de Babel épouvantable dans les camps. Il y a quelque chose comme ça, je crois. Ce fantasme, ce rêve, cet espoir messianique d'une rédemption de la division des langues. Dans la poésie. Ça se mêle aussi d'ailleurs justement à la question sur les textes qu'on a écrits pendant. C'est-à-dire que très souvent ces textes dont les auteurs ont disparu la plupart du temps, en fait, envoient, c'est vraiment la bouteille à la mer dont parle Céline, au sens le plus concret du terme. Et là, il y a une espèce de confiance presque absurde parfois. On se dit, mais comment ils ont pu croire que ça allait marcher, que quelqu'un allait pouvoir lire, etc. C'est les fameux rouleaux de Schmitt. Il y a sûrement beaucoup de choses qui ont disparu complètement. Ce sont que des épaves, en effet. Sandra Alvarez de Toledo, qui est l'éditrice de la littérature en suspens. Question à l'un ou l'autre, Catherine, je crois que c'est toi qui as parlé de l'angoisse du non-partage de la poésie. Quel rapport tu ferais entre ça, vous feriez l'un ou l'autre, entre cette idée-là et l'hermétisme qui a été reproché à Zélan, par exemple. Tu veux parler, Claude? Pour moi, ça relève du malentendu. Enfin, on s'est arrangé, je pense, de cette catégorie de l'hermétisme pour ne pas accomplir le travail herméneutique qu'exigeait Paul Celan. Bon, évidemment, je suis très bolakienne, moi, dans ma lecture de Celan. C'est ce qu'il dit, je le crois, j'ai l'impression qu'il arrive tellement à produire ce travail-là, justement, d'analyse au plus près du langage littéralement implosé de Celan, que c'est ce que je pense. Je sais bien que, par exemple, Lévy en voulait beaucoup à Celan, tout en intégrant la fugue de mort à son anthologie des textes qu'il préférait, qu'il a publié en Italie. Il en voulait à Celan qu'il accusait au fond de produire une poésie balbutiante et finalement nihiliste.
Et Manganelli s'est beaucoup énervé contre Primo Levi à cause de ça. Enfin, il y a toute une querelle. Et je crois que Levi n'a pas voulu comprendre non plus trop ce qu'avait voulu faire Paul Celan, parce que peut-être c'était trop dangereux, trop radical. Il y a une très grande radicalité dans le travail poétique de Celan, et qui était un travail qui exigeait en lui-même une herméneutique et qui produisait, à mon avis, les règles du jeu critique qui devait fonctionner sur cette langue poétique. Je ne sais pas si... Non, c'est la critique de Primo Levi, en effet, ses œuvres contre Celan, comporte, enfin, il me semble, peut-être, je ne l'ai plus en tête de manière précise, mais il me semble qu'il y a deux aspects quand on incrimine, comme il le fait, comme d'autres l'ont fait dans d'autres situations, pour d'autres poètes, l'obscurité en poésie, c'est à la fois la difficulté et l'hermétisme, disons, et c'est en même temps la tonalité obscure. C'est-à-dire, au fond, Lévy accuse aussi Céan de rendre le monde encore plus obscur. C'est l'obscurité même du monde, de la vie, de l'existence qui est en cause. Il y a là un double registre que j'ai retrouvé à ma stupéfaction dans des textes concernant la poésie chinoise. À l'époque maoïste, il y a eu des reproches fait à de jeunes poètes d'être obscurs. Et obscurs, c'était exactement ces deux sens-là. C'est-à-dire, pas compréhensible, il fallait, évidemment, tout le monde devait comprendre tout, hein, surtout sous Mao, évidemment. Et puis, obscur, vous obscurcissez le monde, vous le rendez plus sombre. Voilà. Et il y a un des poètes, ce jeune poète chinois qui a été l'objet de cette critique, qui a quitté la Chine après Tiananmen, qui s'est suicidé en exil. Ils l'ont publié Mais je crois aussi que dans le rapport à l'obscurité, en fait, il sait quand même réclamer en effet de l'obscur. Hein. Oui, oui. Il dit vrai, celui qui dit, je ne sais plus quelle est la phrase allemande, celui qui dit obscur. Vous ne reprochez pas notre obscurité car nous en faisons profession. Il y a ça aussi, oui. Et ça a à voir en fait avec cette histoire de se placer avec les morts à côté d'eux, serrés, comme le dit Ingeborg Bachmann. Il y a ce choix-là, c'est-à-dire que Primo Levi a fait le choix de s'adresser continuellement aux vivants. Et de prendre les vivants par la main pour les emmener dans le monde du camp, mais pour toujours sortir de ce monde du camp avec eux. Tandis que Celan fait le contraire, en un sens. Et je ne pense pas que ce soit un obscurcissement délibéré du monde, parce que Celan, et c'est d'ailleurs ce que Bonnefoy dit dans ce petit livre que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a au contraire chez Celan aussi un désir, une espèce de désir de confiance dans la vie simple, une vie partageable précisément, et qui semblait se soustraire à lui sous la forme de cette querelle épouvantable et qui l'a fait proprement délirer à la fin des années, enfin, des années 60. Il raconte qu'il l'a accompagné chez un ami, il l'a conduit chez un ami, je ne sais plus lequel, tu te souviens un peu, qui précisément alors avait un accueil de la poésie de Celan et de Celan lui-même absolument confiante, intime, généreuse, souriante, que ces deux heures passèrent absolument idéalement, et qu'à peine sorti, Celan s'est littéralement effondré en sanglots, en revenant sur toute cette histoire, comme si la confiance qu'il venait d'expérimenter avait aggravé l'angoisse de la non-partageabilité de la poésie, et pas seulement de son œuvre à lui. C'est évidemment, ça se mêlait à la question de l'antisémitisme. Pour lui, c'était profondément lié. Il voyait évidemment une forme aussi d'antisémitisme se reconduire dans le désir de ne pas lire ce qu'il écrivait, de comprendre autre chose que ce qu'il écrivait. Et c'est aussi pour ça que Bollack a un ton si batailleur et si presque un ton croisé, quand il parle, lui, par contre, de ce qu'il appelle les jeunes turcs de la déconstruction. Les jeunes turcs de la déconstruction. Voilà, ça les fait partir en guerre. Hein, parce que Celan était dans une guerre. Il se battait avec les mots de la langue allemande, et dans cette bataille où il plaçait toute son énergie, sur un mode très certainement utopique, il mettait une foi absolue en fait dans ce travail, dans ce combat avec les mots. Et donc se retrouver dans une espèce de monde où on pouvait lui faire ce type-là de procès, c'était évidemment prendre acte
que le malentendu total sur cette activité était là, quoi, il se faisait entendre bruyamment, etc. Tu évoques le travail, non, de tout poète probablement, mais de Celan spécialement, avec les mots, ça va jusqu'au moment, ça me paraît, dans ce poème, dont je n'ai plus le titre en tête, c'est le poème qui évoque Hölderlin, qui est le court poème dans La Rose de Personne qui évoque Hölderlin, et à un moment, le poème devient et dit qu'il se met à bêlir, les syllabes se mettent à rebondir, et on ne peut plus que... Comme ça, le poème avance comme ça. Il y a ce moment-là où le langage arrive à racler sur le réel, au fond, et de toute façon qu'il se défait, il devient des bribes, en effet. Pas définitivement du tout, mais il y a ces moments où voilà, ça arrive. Mais il y a toujours la croyance, l'adresse à un tu. Continuellement dans la poétique. Jean-Yves Potel. Non, je veux juste évoquer un cas de figure que vous n'avez pas évoqué encore. C'est Schlengel. Oui, mais justement, parce que c'est Schlengel, parce que c'est le poète qui écrit, non pas pour lancer une bouteille à la mer, même s'il va le faire à la fin, non pas parce que, avec l'angoisse de ne pas avoir de lecteur, mais il écrit pour ceux qui vont mourir. C'est-à-dire, il écrit dans la mort. Et c'est ça, il a écrit, d'ailleurs, je veux dire, son texte, ce poème s'intitule « Ce que j'ai lu aux morts ». Et c'est-à-dire que l'acte poétique fait partie de la vie des gens qui sont en train de mourir. Et il a écrit ses poèmes, non pas pour les autres, pour ceux qui vont survivre, il les écrit pour eux. Et ses poèmes ont une force tout à fait étrange, parce que, justement pour ça, parce qu'il écrit des poèmes un peu à la Prévert, dans ce monde du ghetto où tout le monde meurt. Et je pense que ça, c'est un cas de figure qui est assez intéressant, parce que dans l'autre cas qui me paraît aussi très important, que tu n'as pas cité, mais c'est celui de Katzenelson, qui lui va au contraire écrire quelque chose pour raconter, pour dire aux survivants ce qui s'est passé. Mais tandis que Schlengel, non. Même si à la fin, ben oui, c'est ça. Il va faire un paquet, il va dire, bon, il va donner à Ringelblum. Mais en fait, il s'adresse d'ailleurs au lecteur polonais d'après-guerre, en lui disant ce qu'il a voulu faire, et en lui disant vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai fait, parce que vous ne pouvez pas comprendre ce qu'a été le ghetto. Mais c'est et justement, c'est néanmoins, dans cette manière de dire vous ne pouvez pas comprendre, il continue justement à s'adresser au monde non juif, en fait, et en particulier polonais non juif. Et ce qui est assez fascinant dans ce cas, en effet, c'est qu'il y a une espèce de mutation de la valeur et de la fonction même du texte écrit au moment où ce qui a été écrit, en effet, pour ceux qui allaient mourir ou ceux qui sont en train de mourir, devient néanmoins, mais comme tout le contenu des archives de Ringelblum, en réalité, quelque chose qui s'adresse au monde non-juif. Ça, c'est très troublant, enfin, très impressionnant, en effet, de lire, du coup, ces textes-là. Là, on est dans une position de lecture qui est très unique. Je vous remercie de nous faire part de vos recherches, de cette profondeur, de cette largesse de votre étude sur les textes de la littérature de la Shoah. Quelle est votre perception sur l'évolution de cette littérature? Les témoins directs disparaissent, ce sont de nouveaux écrivains qui donc, se saisissent de la Shoah comme thématique, comme cadre pour planter le décor de leur roman. Et on s'interroge sur cette nouvelle transmission. Et puis vous avez évoqué la destruction de la vérité. Est-ce qu'on peut parler de destruction de vérité, ou c'est tout simplement l'évolution de la transmission, une autre manière de transmettre? Alors en fait, ça fait partie tout à fait d'un des sujets de l'autre livre, Le mal de vérité ou l'utopie de la mémoire, où je reviens sur ce qu'on appelle la post-mémoire depuis Marianne Hirsch, qui a forgé le concept aux États-Unis, et qui est donc cette littérature, qui désigne cette littérature des héritiers, des descendants, mais aussi, pas seulement des descendants au sens familial, mais des héritiers au sens
de la solidarité, de l'empathie, donc dans un lien plus horizontal et pas vertical, familial. Donc j'interroge en fait la multiplication des postes en tant que phénomène particulier qui me semble faire problème, hein, mais aussi ce qui se joue dans le fameux passage de témoin, qui est une formule à la française cette fois, proprement apostolique, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment bien de la reprise du modèle apostolique, hein, évangélique apostolique, et qui donc, moi, me pose problème dans cette espèce de circulation un peu impensée, hein, qui ferait que parce qu'on lit un témoignage, on devient un témoin. Alors qu'évidemment, non, on n'est absolument pas un témoin parce qu'on lit un témoignage. Il y a une espèce comme ça de vulgate qui se constitue et qui me semble vraiment problématique, qui fabrique de la peau de conscience de manière très, très saisissante et qui fabrique aussi de la mauvaise littérature. Alors je ne veux pas dire par là qu'il n'y a que de la mauvaise littérature dans la fameuse littérature des héritiers ou des descendants de troisième génération, mais il y a quand même, par exemple, le livre de Mendelssohn est disparu, moi je le trouve important ce livre, même le livre de Little dans son genre me semble important comme tentative, exploration, même si elle aboutit à quelque chose de très discutable. Donc je pense qu'il y a encore une dimension exploratoire qui est nécessaire et qui est en fait inévitable. C'est inévitable que la littérature, de ceux qui n'ont pas vécu cela, qu'ils en soient héritiers familiaux ou pas, se saisissent de ça, c'est inévitable. Et même se saisissent justement de la conscience du bourreau comme gageure littéraire, fictionnelle, etc. Mais je trouve que dans beaucoup de textes aujourd'hui qui sont des textes au fond je raconte l'histoire de ma famille, il y a quelque chose d'extrêmement redondant, qui fait se poser quand même la question justement de la valeur littéraire là à nouveau. Il y a quand même une vague, on surfe sur quelque chose, et puis il y a aussi dans l'usage fictionnel qui est fait, hein, de ces thèmes précisément, aussi parfois quelque chose à interroger, il y a des effets de complaisance, et on est forcé de se poser la question de l'énorme marché culturel que représente la mémoire de la Shoah aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là qui fait problème en soi. C'est-à-dire qu'il y a une littérature qui ne prend pas le soin de se protéger de ça, de fabriquer des antidotes à ça, de se rendre totalement irrécupérable de ce point de vue-là, pour moi, pose problème. Elle tombe dans une forme de kitsch, justement. Donc c'est pourquoi l'exercice de la pensée critique, là, me semble aussi important, parce qu'il y a toujours ce seuil, pour moi, il faut que l'œuvre fabrique ce que j'appelle des antidotes. C'est un peu, moi, ce que j'ai essayé de faire pour mon usage propre. J'ai essayé de protéger mon travail sur les textes qui sont issus de survivants, de témoins directs, on va dire, de protéger ce travail d'investigation des textes contre ce prêt-à-porter culturel, hein, qui se sert de la mémoire comme d'un thème qui marche, mais sans forcément de soucis réels de ce qui s'est passé au fond, ni de cette fameuse destruction de la vérité, etc. Alors sur la question de la vérité, je ne sais pas si je peux répondre exactement à votre question. Ce que j'essaie de faire, c'est peut-être un peu long de rentrer là-dedans. Au fond, j'essaie de comprendre le mal de vérité comme un mal anthropologique particulier, né d'une forme de violence radicale particulière, une violence destructrice, anéantissante particulière, et qui produit une obsession très particulière de la vérité. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce que Derrida appelle l'historicité sacrale de la vérité, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le traditionnel rapport sacral à la vérité, hein, dans notre tradition occidentale, hein, alors ça, ce sont c'est quelque chose qu'a abordé aussi Foucault, par exemple, hein, donc l'histoire de la volonté de savoir, hein, qui est liée à une sacralité de la vérité. On n'est plus du tout là-dedans, à mon avis, c'est un grand malentendu qu'effectue Derrida dans son histoire du mensonge, en mélangeant tout cela, et ça lui fait d'ailleurs critiquer Hannah Arendt, la notion de vérité de fait chez Hannah Arendt. Je vais trop vite, évidemment, mais en tout cas, il y a pour moi quelque importance à essayer de saisir, ou de faire saisir en philosophie, ou en tout cas dans les pensées qui se préoccupent justement du devenir de la vérité, ce qui s'est passé là, et de le faire à travers ces écrivains qui pensent la vérité en pensant leur mal. De quel mal s'agit-il ?
donc d'une obsession extrêmement lancinante, hein, qui nécessite de faire advenir une vérité à la fois factuelle, mais aussi autre, celle qui se charge du sens, des sens, hein, et passé et à venir de cette histoire, et donc aussi de la transmission possible de cette histoire. Et donc il y a l'autre souci de la vérité qui est celle des héritiers, des descendants justement, qui est autre, qui ont affaire avec ce que Kertész appelle l'ombre, l'ombre profonde. Et pour moi la grande question c'est de transformer cette ombre précisément en un socle bien, bien costaud, une tradition culturelle qui serait au fond une contradiction dans les termes. Bien que ce soit probablement un processus inévitable, hein, mais il y a une forme de déréalisation là, dont il faut continuellement se protéger. Il ne reste plus que quelques minutes, je crois. Quelques minutes, une dernière question, comme on dit. Vous voulez un petit poème? Ouais. Un poème. Un petit poème de la chambre. Un petit poème pour la route. Oui. Il est pas très gai pour la route. Hein. Enfin bon, il est bon. J'ai le temps de dire ça. Vas-y. Bon, parce que c'est, tout ce que tu as évoqué, vraiment, je trouve, on se retrouve là aussi. Donc c'est encore le... Prends ton micro. Je m'y ferai jamais ça. C'est toujours ce gamin, hein, à Chenvaux, toujours à la Térésine. Moi, petite créature, je demande au monde l'aumône. Pour qu'il ne m'écrase pas de ses pieds d'éléphant, pour qu'il ne me brûle pas de son brasier ardent, qu'il me laisse vivre jusqu'à ce que j'ai quitté le sein, que je puisse me battre comme un homme dans le si vieux combat. Je veux vivre. J'ai faim. J'avais soif de connaissance. Le destin me l'a délicatement et élégamment offerte, comme un sac de ces bonbons au fourrage écœurant. Moi, enfant gourmand, j'ai accepté et goûté un bonbon sucré d'abord, pomme de la connaissance ensuite. Les vagues ont comploté contre moi, élégant destin. Il rit. Depuis les nuages, la neige brûle. Les vagues me prennent, les vagues me mangent et m'endurcissent. Alentour, le temps jette aux ordures des fleurs fanées. J'en connais beaucoup, beaucoup, qui vivaient d'elles avant. Je tète, je bois. Le destin me donne le sein, même si son lait n'est plus sucré désormais. Moi et mes pensées sommes seuls ensemble maintenant. Nous ingurgitons le lait plus que nous n'en voulons, comme la fumée. Merci Claude. Merci, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est pour la route, c'est pas forcément très facile de l'emporter. Mais...